Ça aussi, peut-être. On ne sait pas, mais on va l'essayer. Pour toutes les affaires de base de Mathis, là, les t-shirts, les caleçons, les bas, je viens ici parce que je sais qu'il y a sa grandeur, c'est surtout ça. C'est parce que des bas, là, lui, là, c'est pas du 9-11, là. Ça fait pas ça. Moi, il faut que je prenne des bas 15. Ici, il est pas payé. C'est pour ça que j'ai ici aussi. Il s'éloigne pas de moi, là. Parce que, si moi, je suis allée m'acheter des sous-vêtements à moi, samedi, j'ai toujours de m'en aller, là. J'ai acheté une paire de bobettes. En fait, une crise dans la salle, là. Je suis sortie de là en pleurant, là. Parce que il criait tellement fort, il saignait, il s'est frappé, il saignait, ça allait. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens, là. C'était psychédélique, là. J'ai dit à la fille, excusez. Tandis qu'ici, il n'est pas pire. Là, tu sais, c'est heureux, là. Je gère. Ça va bien. Fait que j'en profite dans ce temps-là, tu sais. En fait, quand il se désorganise aujourd'hui, c'est la même chose que quand il se désorganisait quand il avait 6, 7, 8 ans. C'est plus impressionnant que dangereux, tu sais. Parce qu'il va se mettre à taper des pieds fort, là. Fait que moi, j'étais habitué, là, mais ça, c'est dérangeant. Veux-tu on va essayer tes choses? Veux-tu on va l'essayer les shorts? Viens, Mathis. Oui, vas-y. Vas-y, mon homme. Tu vois, non, ça fait. Là, tes souliers. Vas-y. T'es enlèves les deux straps à chaque fois. C'est deux fois plus long. C'était pris, hein? Je devrais le laisser faire ça, là, mais ça va me prendre une demi-heure. Là, puis là, tu comprends? Comme là. Comme là, je vois. Là, il gosse, là. Parce que là, il n'est pas capable d'attacher sa strap. Tu comprends? Je l'aide pas. Demande, Mathis. Mathis. Mais demande, c'est ça. C'est quoi ça? Mathis. Oh, épuisant. Les pieds. Il se met dans des états, des fois, pour des affaires. Tu sais que. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, c'est démouillé. Ça va. C'est jamais pareil. Comme là, tu sais, s'il avait continué comme tantôt, là, je sais, faut que je sorte, là. C'est comme. Ça presse, là. Puis généralement, j'arrive dans l'auto, puis 5 minutes après, il est correct, là. Il m'en pète une, là, dans le magasin, là. Dans l'univers où il se trouve, ça marche pas. Il est désorganisé. Tu changes d'univers. C'est très apaisant. C'est comme là, tu sais. Il est pas pire, là, tu le regardes, là, c'est comme... C'est, il est bruyant, mais il est quand même de bonne humeur, là, tu sais. Mathis. C'est comme si je dévoilais ma vie. Je dévoile ma vie à des gens que je connais pas, puis j'ai jamais croisé dans ma vie, puis là, tout d'un coup, je les croise, là, puis je m'en vais m'acheter une paire de bobettes, puis on est complètement way out tous les deux, là, tu sais. Je dévoile les côtés les plus vulnérables, tu sais, de ma vie. C'est ça que je fais. Fait que... Charles, il y a plus de recul par rapport à ça. Moi, ouais, ça là, je le rassure en disant que je suis présent, puis j'essaie de le sortir de cette spirale là, tu sais, de le ramener à quelque chose, puis de dire on va faire quelque chose ensemble, on va aller en voiture, même pas en voiture, on va sortir, on va faire quelque chose pour l'aider à aller ailleurs. Tu sais. J'ai pas toujours les clés, c'est un cadenas avec une combinaison que tu essaies toujours de trouver. Tu sais. Je veux pas laisser l'impression que j'ai une vie complètement désorganisée, que mon fils fait n'importe quoi. Parce que c'est vrai que des fois, il fait n'importe quoi, mais pas tout, il fait pas tout le temps n'importe quoi. Comme n'importe quel enfant, dans le fond. Comme n'importe quel enfant. Sauf que l'adolescent, il va sortir dehors pour te faire se péter ta crise. Lui, il va me la péter ici, devant tout le monde. Il s'en fout. Il le voit pas. Il s'en sert. Il n'y a pas de pudeur, là. Tu sais? Il raconte sa vie. Hein, Pip? Petit gars. C'est un petit gars.
Les tâches, attends, on a presque fini. Juste à prendre une chemise ou deux. Capitaine Benoît à l'écoute. Capitaine Benoît, avez-vous hâte d'arriver à la maison? À vous. Oui. Benjamin, lui, un de ses plus grands défis, ça va être de changer son comportement public. S'il veut pas être victime de réprimande. Ça passe mieux chez un enfant, chez quelqu'un qui a l'air jeune, mais dans 10 ans, 15 ans, si physiquement il a changé, il a vieilli, puis il se parle tout seul, il crie, il court, il blesse quelqu'un, l'intervention sera pas la même. Tu te fais juger, là. Épouvantable. T'as un magasin, admettons, que là, il se désorganise complètement, puis là, tout le monde, là, c'est comme... Tu t'élèves mal ton enfant, là. C'est carrément ça, là. Puis il y en a qui se gênent pas de te le dire, là, en plus. Tu sais, à un moment donné, tu te fâches, puis tu le dis, là. Il te tisse, là. Tu sais, c'est comme... Laisse-moi tranquille, là. Tu sais, c'est déjà difficile à gérer ce que je vis. Pas besoin du regard, en plus, de jugement des autres. C'est sûr que tu sais, le regard des autres est là, mais j'essaie de me bloquer de ça. Au début, je trouvais ça difficile parce que des fois, j'étais au parc avec ma fille, puis elle se mettait en crise, puis j'arrêtais pas, j'étais pas capable de la contrôler. Puis souvent, il y avait des parents qui trouvaient ça très drôle. Mais j'ai eu quand même la chance de tomber sur des personnes compréhensives. Souvent, moi, j'explique toujours. Tu sais, je suis pas gênée. Je dis, ma fille est comme ça, puis elle réagit comme ça pour telle ou telle raison. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidée. C'est sûr que faire facile, là, il y aurait toujours des T-shirts, il serait toujours habillé en mou. Dessin un pantalon avec un élastique, tu comprends? Mais je suis pas capable. Ça m'énerve de les voir tout le temps en mou. Non, je suis trop orgueilleuse. Trop beau quand il est habillé, puis je suis fière, tu sais. J'aime mieux me donner la peine de me faire fuck avec son bouton, mais le faire que fuck, shortcut, ah ouais, le mou, la bave-site. On veut qu'il soit aimable. On veut que les gens ils soient pas, ils aient pas peur de lui. Ils soient pas repoussés par lui. C'est pas grave, là, ça s'attrape pas. Là, ça se donne pas. C'est pas contagieux. Il va faire du bruit. Ça se peut que tu fasses un saut parce qu'il crie. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est important que mon intérêt le voit comme moi je le vois parce que les réactions sociales sont très difficiles pour lui. Donc c'est important que les gens ils puissent aller vers lui pour que lui soit en relation avec d'autres mondes. Il peut pas vivre dans une bulle là, avec son père puis sa mère puis un peu sa famille, puis il est pas mal élevé. Pis les enfants là, autistes, là, tu sais, là, si vous vous dites au restaurant, vous entendez un, vous dites « Ah, moi, j'étais son parent, là. En tout cas, ça se passerait pas de même. » Ben ouais, essaye donc, là. Fait que c'est important que les gens soient conscients de ça. Mon Dieu! Je ne l'habillerai pas toujours en mou. Non, je vais continuer d'y acheter des souliers avec des lacets. Parce que c'est joli. Parce qu'il est beau quand il met ça. Parce que c'est con, hein? Mais il est normal. Il devient normal. Tu sais. Attends, mon coco. On s'en va là. À la maison. Laurent? Comment ça a été, l'examen de science? Super bien. Super bien? Est-ce que tu as répondu à toutes les questions? Oui, ça s'est super bien passé. Jusqu'à ce jour, Laurent est totalement indifférent face au regard des autres. Lui, il ne voit pas ça. Il fait sa route, puis... Et puis, c'est tout. Je vous dirais que le regard des autres, c'est plus moi que ça va déranger. J'avais pas honte de mon fils, mais... J'étais envahie par une émotion. Bon, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est fou, là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'ils vont continuer d'aimer mon fils quand même? Est-ce qu'ils vont nous accepter quand même? Oui, Laurent est autiste, mais je veux qu'on voit Laurent.
Il n'a pas été victime d'intimidation, à ce que je sache, mais moi, j'ai vu des... Tu sais, j'en ai vu du monde le regarder. Je sais c'est quoi, moi, la face d'un jeune qui se dit dans sa tête, il est donc bien bizarre, lui, en regardant son ami. Tu sais, comment, il est donc bien bizarre, lui. Cette face-là, je la connais très, très bien. C'est du non-verbal que je détecte à distance, là. Pour Laurent, tout le monde est gentil. Pour lui, la vie est comme dans un film. Les méchants vont devenir gentils. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'en même temps, je trouve ça beau qu'il y ait cette vision-là du monde, mais non, c'est pas la vision réelle du monde. Et des fois, je trouve ça dur en tant que maman d'être obligée de lui dire il y a du monde méchant. C'est à la limite triste parce que je pense que s'il était victime, par exemple, d'intimidation, il pourrait être maltraité verbalement, mais ça ne rendrait pas compte. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça ne ferait pas de peine. La mauvaise nouvelle, c'est que tu souhaites pas ça à ton enfant. Ça arrive parfois, malheureusement, que des jeunes vont prendre plaisir à l'appeler jeune homme ou ils vont passer des commentaires avec le chien, puis ils vont rire. Puis elle dit, est-ce qu'il se moque de moi, maman, ou pas? Donc, Maëlle ne sait pas où mettre la limite entre... Est-ce que c'est une blague ou c'en est pas une? On le sait, là, l'interprétation, le sens de l'humour, c'est quand même un défi. Là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? C'est Noël! Non, mais quasiment! C'est le... Yay! Donc, le printemps, c'est synonyme de quoi? Plus de neige. C'est plus de neige. Quoi d'autre? Oui, Maëlle? Le commencement des feuilles. Le commencement des feuilles qui vont pousser. Maëlle, elle a transféré d'une école dite normale, avec un cursus adapté dans son cas, pour elle, à l'école publique. Mais il y a 9 ou 10 classes de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Donc, dans la même école, même cafétéria, même tout, tu as des classes spécialisées et des classes normales. Et Maëlle est dans une de ces classes-là. Ma cousine est dans un sport étude de basket, alors je la vois parfois et je lui dis bonjour, comment ça va et tout ça. Ou sinon, il y a une autre personne que je vois des fois, bonjour, comment ça va. Sinon, les autres, ils disent juste, mettons, ils parlent de Fluffy, qu'elle est belle, oh, merci. À part ça, non, parce qu'ils sont quand même avec des amis, j'ose pas les déranger non plus. Toutes les personnes que je vois d'habitude. Maëlle, en 2 ans, depuis qu'elle est en milieu adapté, elle n'a fait que progresser. Alors, j'ai pas de regret d'avoir eu à intégrer Maëlle en milieu adapté. J'ai aucun regret. Alors, Maëlle, avec Félix, vous allez vous occuper des personnages. Yeah! Malheureusement, j'ai l'impression que depuis que je suis dans une classe TSA, j'ai l'impression que je me sens plus différente parce qu'avant, j'étais dans une classe normale et je me sentais plus... Ben, je parlais et tout ça, puis après ça, on dirait que maintenant, j'ai peur de parler aux neurotypiques. On dirait que j'ai peur qu'on me juge. Au départ, je le savais pas parce que j'étais avec net tout le monde, alors c'était normal. Mais maintenant, je suis avec d'autres personnes autistes, alors c'est plus... Bizarre, si tu veux, je sors, j'ai plus peur de ce qu'on me juge avant. Ouais, comme ça. J'ai toujours été dans une classe neurotypique protégée, alors j'ai jamais eu aucune moquerie. C'est sûr que ça me manque d'être avec mes amis. Et puis l'année prochaine, mes amis vont aller au cégep, puisqu'ils vont terminer leur 5e secondaire. Moi, j'ai encore resté ici, alors ça va me faire. Ça me fait un peu de peine dans un sens, parce que j'ai l'impression que j'ai. Une affaire d'échouer. C'est vraiment important pour moi d'avoir des amis à côté de moi, mes amis, dans le sens que je connais depuis très longtemps. Et j'espère aussi pouvoir les revoir aussi après ça, parce que quand on est à l'école, c'était plus facile de se voir à la maison parce qu'on se côtoyait. Mais maintenant, j'ai encore son numéro, mais je n'ose pas appeler ni Laurent ni Fena parce que je n'ose pas les déranger. Si je grandis, je ne pourrais plus aimer ce que j'aime. Les émissions jeunesse que j'écoutais, je ne peux même plus en parler en public parce que si j'en parle, j'ai peur de me faire moquer de moi.
et je me cache quasiment pour les voir. Même si j'aime beaucoup ça, ou si mon visage était plus mignon quand j'étais enfant. Et quand on est enfant, on peut se permettre beaucoup de choses, comme, mettons, un enfant qui fait une crise dans un centre d'achat. Ben ça, c'est possible. Mais mettons, un adulte qui fait une crise dans un centre d'achat, mais je crois que les gens, ils vont appeler la police. Alors, c'est pas... Ça me fait rire ce qu'elle m'a dit, parce que... je trouve qu'elle est très lucide, et puis... Mais là, est-ce que tu penses vraiment que les gens vont appeler la police? Ben... Toi, je pense pas qu'ils vont dire peut-être que cette personne-là a un problème, une difficulté. Mais je suis curieuse. Est-ce que t'as peur des fois que... Je sais pas. Oui, il y a ça. J'ai peur que les gens me regardent bizarrement. C'est ça. J'aurais voulu être comme avant. Avant, on était bien. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Là, tu dis que tu peux plus faire ce que tu veux? Pas complètement. Même à l'école, si je vous dis, des fois, je fais des mouvements... Je me laisse aller, puis quand il y a une personne qui vient, qui arrive, un élève, ben moi, après ça, j'essaie de me remettre comme eux, ils font. Comme eux, ils font dans le sens rester droit et rien faire et rien dire. I wanna be free, but I don't know how. I wanna give my love and have you come back. J'aurais vraiment un jour essayé de m'accepter comme je suis, puis d'essayer de me montrer comme. La vraie vérité de pas me cacher. Par rapport au regard des gens, j'en reçois pas des regards des gens. Les seuls regards que j'ai, c'est vraiment des affaires pour le plaisir et puis juste pour dire « Hey, salut! Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. » Que par rapport à « Que mon air est bizarre. » J'en reçois pas de regard de même. Yes. Dans le fond, il y a un événement qui s'était passé il y a environ 3 mois. À chaque pratique, mes amis se traitaient en genre d'autistes pour se dire qu'ils étaient, exemple, débiles. Ah, t'es ben autiste, des trucs comme ça. C'était quoi pour toi un autiste? Un handicapé. Pour quelqu'un qui sait pas parler. Pour moi, de base, c'était ça. Non, je croyais que c'était genre... Ben, qui savait rien faire, là. Puis qui comprenait rien, puis tout. Moi, j'entendais du monde à l'école se traiter comme ça, fait que je me suis dit, c'est sûrement pour dire que quelqu'un est niaiseux ou quelque chose comme ça, fait que moi aussi, je le disais. À un moment donné, je leur avais dit que mon frère était autiste, puis que ça me faisait mal au cœur qu'il disait ça. Puis même à ça, il continuait pareil, donc j'ai décidé de faire venir mon frère parce que... Je crois que c'était le meilleur moyen que ça cesse. La manière que j'ai expliqué mon autisme, dans le fond, c'est que j'ai commencé par le fait que Rap Story venait sortir, qui est le livre écrit par mon père sur ma vie. J'ai expliqué tous les accomplissements que j'ai faits et tout, pour leur dire finalement que un autiste, c'est pas niaiseux. C'est juste une façon différente de penser, une façon différente de pouvoir voir le monde. Moi, j'ai été surpris. De le voir arriver parce que quand Renaud m'avait dit qu'il était autiste, mais que ça paraissait pas, je l'avais pas cru. Puis quand il est rentré, je me suis dit, il est bien normal. Puis c'est ça que j'ai trouvé cool. Le fait que les gens utilisent ce terme-là pour dire que quelqu'un est niaiseux, ça vient me chercher parce que je me rends compte qu'un autiste peut avoir tellement de potentiel à pouvoir réussir dans la vie. Autant des personnes très développées que des personnes moins développées. Et puis avec ça, bien. Ils se donnent le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir percer dans le monde des neurotypiques. Mon frère, c'est génial d'aller voir jouer parce que ça met dans l'ambiance d'équipe, puis tu prends pour l'équipe, puis tu veux que l'équipe gagne. Raphaël, il se laisse beaucoup envahir par ses émotions. Quand, des fois, c'est déjà arrivé qu'on dise OK, Raphaël. Attention! Les conventions sociales, c'est un work in progress, tu sais, dans le fond. Quand on est venu une fois, c'était très intense. Raphaël s'est laissé emporter, puis on a dû dire, bon, ben Raphaël, c'est normal que tu sois comme emballé, mais il faut doser un petit peu. Puis ça, c'est aussi un apprentissage au niveau
au niveau social, puis c'est bien correct comme ça. Oui, oui. Ouais. Ça fait partie de ça. Après, j'aime pas ça ouais, des fois quand on en parle. Je me sens pas à l'aise. Oui, je me sens pas à l'aise. Quand on en parle, des fois, je suis comme... Non, on dirait que... Mais je pense que t'as peur du ouais. jugement. J'ai peur du jugement, c'est ça. J'ai peur du jugement des autres. C'est surtout ça, l'affaire. Quand on dit, des fois, je suis comme... Est-ce que les autres vont penser ça, puis telle affaire? Mais la vérité, c'est que quand que je le sais, après ça, je leur fais plus. C'est ça. C'est un petit peu la volonté de rentrer dans le moule. Oui. Mais en fait, ce qui te différencie, là, ce qui te rend attachant, c'est que tu fais pas partie du moule, tu sais. Ben oui, c'est ça, exactement. Oh, I'm not a... T'aimerais ça suivre un cours de conduite? Ah, ouais. Ouais? OK, tu veux s'accélérer jusqu'à 80? Oui, oh yeah! Un simulateur, puis c'est moi qui suis comme stressé d'être là. À Pop Géant, c'est une école spécialisée pour enfants autistes. Fait que cette année, on monte la comédie musicale de la Reine des Neiges.